Salut mes saillants! Ouais, voici Captain Flair, c'est plus connu sur le nom de Champion MC. Alors, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Clash of Clans, la série à laquelle. Bon, du réseau. Ça, c'est bel Internet. Mon Internet. La série de la chaîne Champion MC, la série à laquelle on dit des nouvelles sur la chaîne aussi. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous mentionner ceci. Bonne année à tous. Ouais, je vous souhaite une très belle année. Commençons par parler de 2018, après ça, des résolutions, puis pour 2019. La raison à laquelle que vous avez pas cette vidéo plus tôt, tout simplement, j'ai décidé de rester avec ma famille et de laisser de côté un peu YouTube. Est-ce que je suis désolé? Oui, mais en même temps, non. Parce que oui, je pensais à vous, bien évidemment. Mais en même temps, être avec la famille, c'est quand même bien. Commençons maintenant. Ah oui, l'autre vidéo avant, par contre, ça c'est pourquoi ça a été long avec la deuxième vidéo de émission. Certes, ça par contre, c'est pas moi. C'est tout simplement un petit problème des droits d'auteur que j'ai réussi à régler. Bon, il faut le dire vite, j'ai diminué son intensité parce que je ne peux même pas le publier tout simplement. Mais maintenant, je peux parce que j'ai réglé ce petit problème. Allons attaquer. 2018 a été pour moi une année de changement. 2019 sera sûrement encore un peu de changement. Mais ça va être différent. J'ai passé d'être aux études à au marché du travail temps plein. Si vous vous demandez où que je travaille, je travaille chez Metro. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Je travaille chez Metro. Mais c'est là que je travaille. En attendant d'avoir un emploi dans mon domaine. Le 2018 a aussi été une année à laquelle qui était difficile pour YouTube. Moi, ça n'a pas été à ma faveur. On peut se le dire, ça n'a pas été à ma faveur. J'ai de la misère même à avoir passé au-delà des 450 abonnés. J'ai de la misère à avoir même les 8, juste les 500 abonnés. Imagine les 1000 abonnés, comment ça va être long. À ce rythme-là. Oui, c'est sûr, le contenu, il est peut-être pas le meilleur. Les meilleurs jeux, tu le quittes. Mais au moins, j'essaie de vous donner du divertissement, quand même. J'ai changé un peu le thème de la chaîne. Pas un peu. J'ai changé la chaîne pour qu'il y ait un thème. Chose qu'il n'avait pas auparavant de thème. Pour l'année 2019, par contre, le petit thème-là, peut-être je vais essayer de l'améliorer. Encore là, ça va dépendre du temps que j'ai et tout le kit. 2018 aussi a été difficile, pas juste pour moi, mais aussi sur YouTube, mais aussi pour pas mal de YouTubeurs. Voir certains ont lâché YouTube. Ils la mettront peut-être pas, mais ils ont lâché à cause de qu'ils se faisaient monétiser, puis ils ne se font plus monétiser. C'est décevant à dire, mais le trio Zach Lebas, Tuxani, Dingsuplo, déjà ils faisaient beaucoup de vidéos, mais Tuxani et même Zach Lebas, on remarque qu'il ne faut plus de vidéos. La raison qu'ils m'ont donné, tout simplement qu'ils ont pas le temps. Mais moi j'ai tendance à dire aussi qu'ils prennent plus le temps vu qu'ils se sont fait démonétiser. Il y en a sûrement d'autres, mais il y en a d'autres qui persistent. Adradem, par exemple, lui, il s'est fait démonétiser, mais il a arrêté un peu, il a pris un recul, mais il a repris. Moi,
Je n'ai pas arrêté. Au contraire, j'ai même parfois augmenté le rythme. Là, j'ai baissé, le rythme a baissé parce que là, je manque de temps parce que je travaille. Il n'y a rien de plus. Puisque le métro, être en balleur, on n'a pas vraiment le temps de faire quoi que ce soit. Pas comme si je serais dans mon domaine. Peut-être que j'aurais plus de temps à faire mes choses. Et là, dans ce cas-ci, j'ai pas cette possibilité d'avancer dans mes affaires plus que après le travail. Puis des fois, j'ai pas beaucoup de temps pour ça. Des fois, ça me tombe. J'avoue, dans ces derniers temps, là, après le travail, ça ne tombe pas nécessairement de faire des vidéos, tout ça, ou du montage. Ça me tente de plutôt me reposer. C'est ce qui fait aussi un peu en sorte que ça l'a baissé. Je vous cacherai pas que ça me tombe pas toujours parce que je travaille. Mais actuellement, je vais quand même continuer à faire des vidéos. Inquiétez-vous pas. C'est pas je lâche YouTube, tout ça. Non. C'est juste vous avertir que. C'est ça, je vous ai déjà averti. Mais je vous avertis quand même que le rythme des vidéos va peut-être rester le même. Maintenant, les résolutions. Les résolutions, j'ai pas réussi à faire mes résolutions vraiment. Côté abonné, bon, c'est pas moi qui le contrôle. C'est simple. J'ai pas eu les 1000 abonnés, j'ai pas réussi ma résolution. Ça, c'est des choses qui arrivent. Une résolution, faire aussi plus de conventions. Ça peine si j'en ai fait une. Si j'aurais pris comme résolution de rencontrer Steelers en vrai, en personne, je l'aurais eu, ma résolution, parce que c'est le cas. Oh, ce serait peut-être une idée de faire une vidéo avec Steelers. J'ai une idée de vidéo qui va s'en. C'est une vidéo, je sais pas, une série, c'est juste une vidéo. Vous allez voir par vous-même. Vous allez le voir par vous-même, qu'est-ce que c'est. C'est. Avec qui? Que ça va être une collaboration. J'en ai pas encore parlé à cette personne. Je vais en parler s'il est intéressé. Et après ça, peut-être ça va être une ou deux vidéos. Je sais pas combien de vidéos ça va prendre, mais. On va voir si elle va accepter à la base. Parce que c'est un défi que j'aimerais me donner. Mais moi, vu que j'en connais pas mal sur le sujet, j'aimerais ça qui me met au défi. Puisque c'est le titre de la vidéo. Cette personne me met au défi. Qu'est-ce que c'est le titre de la vidéo? Mais vous savez pourquoi? Même si je vous dis le titre, vous ne savez point ce qui va être. Ah. Une chose qui est sûre, 2019 aura encore plusieurs changements. Des nouveautés. Juste pour le mois de janvier, il va y avoir. Je vais faire une grosse achat. Un gros achat. Tu venais me le dire? Je vous le dirai pas, vous allez le savoir. Je vais en faire une vidéo en tant que telle. Une petite vidéo, bien sûr. Ce n'est pas un achat pour la chaîne. Là, je pense pas à la chaîne à YouTube. Je pense à moi. Mec peut peut-être possiblement aider aussi pour la chaîne. On sait jamais. Mais principalement, la raison n'est pas pour YouTube. Mais pour moi. Vous allez savoir tout comprendre qu'est-ce que je faisais quand je veux l'avoir acheté. C'est un gros achat. Un méchant gros achat que je vais acheter. Qui va me coûter très cher. C'est sûr que peut-être cette année, comme résolution, j'ai déjà commencé. C'est peut-être investir un peu plus sur YouTube. Ouais.
Je compte investir un peu plus sur YouTube, sur ma chaîne. J'essaie d'investir tout ça pour vous offrir la meilleure qualité possible selon mes moyens. Puis selon les taux de mon matériel. Désolé si l'audio il est un peu bizarre, ça a l'air faut que je change mon micro-casque. Parce que mon micro-casque commence à voler à un moment donné. Parce que ça commence à gricher. Je me suis aperçu ça dans la série Ni no Kuni, la première fois, avec l'ordinateur. Probablement, je pensais que c'est l'ordinateur, mais ça se pourrait que bien que ça soit tout simplement mon micro de casque. Ou les deux. J'enlève pas la possibilité, ça peut être les deux. C'est sûr, Turtle Beach, une entrée de gamme. C'est pas un milieu de gamme ou haut de gamme ou tout le kit, c'est une entrée de gamme, pas trop chère, qui fonctionne très bien, à mon avis. Je suis bien satisfait de mes écouteurs. Mais c'est ça. Faut que j'en achète un autre. C'est ça la vie, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Le matériel ne dure jamais une éternité. Puis fuck la méga Tesla! Ah! Ah! Le signe à 100%. Ok, il l'a pas eu? Quand même. Imagine s'il y aurait eu le 100%. Reste combien de temps? Une minute. Bon, pas grave. On va continuer. Un peu. Mais mes résolutions pour 2019, bien que j'avais pas eu réussi à tenir mes résolutions. Résolution pour 2019 serait, bon, toujours d'avoir 1000 abonnés, mais au moins d'avoir 500 abonnés. On va viser plus beau. Avoir au moins 500 abonnés avant l'été. Puis le 1000 abonnés, comme toujours, pour 2019. C'est sa première. La deuxième résolution, ça serait peut-être de faire plus de live Twitch. Ouais, si Internet veut bien suivre, mais évidemment. Je risque de monter l'Internet à un moment donné. Pour que ça soit un peu plus rapide. Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire, par contre, en là. J'ai perdu de l'argent, fuck. Parce que j'ai oublié d'améliorer ceci. Ah non, j'en ai pas perdu encore. J'en ai peut-être perdu un peu, oui, mais c'est pas grave. Et c'est une victoire. Hey, il me reste juste la méga Tesla, puis j'ai plus rien amélioré. Autre que mes remparts, que les remparts que je vais devoir améliorer, sinon. Et plus rien à améliorer. Ah, c'est pas formidable. Il reste juste aussi qu'est-ce qui est dans le laboratoire, mais pas ça. Et plus rien à améliorer. C'est pas formidable. J'aurais enfin amélioré un village à 100%. Pour la première fois. C'est loin de ça. L'équivalent niveau 10, même si je suis niveau. D'où. Mais j'ai monté quand même deux hôtels de ville en un an, si je me trompe pas. Faut se dire ça. Pourquoi j'ai monté aussi vite? Parce que ça me tentait pas de rester en bas. Tant qu'à être en haut, aussi bien de remonter plus haut. Même si c'est pas mon niveau, je m'en fous. De toute façon, je suis encore champion. Je suis capable de. Même là, je suis l'équivalent du Master 1. Mais je suis entre Master 1 et Champion 3. De toute façon. Est-ce que j'aurais d'autres choses à vous dire?
Comme résolution, live Twitch, peut-être faire plus de collaborations aussi avec des youtubeurs. Ça serait peut-être une idée. Essayer d'améliorer la qualité des vidéos. Ça, c'est pas la même affaire. Ou qu'est-ce qui est des séries? Ouais, qu'est-ce qui est des séries? Oui, je vais parler de ça. Les séries. Les séries, il y en a qui vont continuer. Ils vont avoir des nouvelles séries. La série d'émissions. Donc, je vais les surnommer émissions. Si vous regardez dans les lecteurs ou les vidéos, peu importe. C'est émissions que j'ai décidé de mettre. Ils vont continuer, mais ça prend quand même pas mal de travail. Je vais essayer de pas trop tarder ça. Deux par mois. À la limite, je vais essayer. Zelda. Faut continuer. Quitte ou pas, faudrait que je le tourne. Tout simplement. Avec Zelda, on m'avait suggéré de me filmer aussi. C'est sûr que ce serait une idée, mais j'ai pas la possibilité en ce moment de faire ceci. Parce que c'est pas présentable. Tout simplement. Ni no Kuni va continuer. Il y a déjà une vidéo de filmer. Il reste juste à monter. J'ai commencé à monter, mais j'ai pris plus de temps de. J'ai eu quelques petits problèmes techniques. À chaque fois, j'ai de la misère avec un Claudio. Je sais pas pourquoi. Mais à un moment, il va y en avoir une, comme d'habitude, décembre, janvier. Là, je continue toujours. Age of Empires va continuer, le 2. Je vais peut-être même à un moment donné faire continuer le 3. Roller Coaster, je vais terminer au moins ce scénario. Je vais peut-être aller avec les 2 après, me donner un défi. J'aimerais réussir le 2. Toujours en train de construire. Je dépense plus que ce que je reçois. Dans le fond, c'est à peu près ça. Puis des tissus. Ah oui, la légende du Capitaine Fleur de Lys que je vais peut-être le faire pour le février. Je dis ça, puis faut moi me donner une date parce que sinon ça va être long. Non, mais t'es sérieux. J'ai eu que 4 vidéos durant le mois d'octobre, une vidéo par semaine, finalement. Oh mon dieu. J'ai vraiment pas eu beaucoup de vidéos. Ah wow. C'est incroyable quand j'ai plus le rythme de mes vidéos a baissé. Au moins 13 vidéos pour le mois de octobre-novembre, c'est pas pire, mais le mois de décembre-janvier, je pense que je vais essayer de réaugmenter le rythme. Il y avait aussi des affaires personnelles aussi qui faisaient en sorte que j'avais pas le temps non plus. Ah, pour ça! Ça va être tout pour aujourd'hui, pour cette aventure de Clash of Clans. J'ai quand même. J'avance. Tranquillement, pas vite. Surtout, c'est le village de la maison des ouvriers que j'avance bien. Presque fini. Je suis content. Là, il reste juste le méga Tesla. Puis après ça, c'est fini. J'ai plus rien amélioré que les rapports après ça. Complètement fini. J'ai juste à attaquer dessus. Ah, ça va être le fun. J'attends ça. Avec impatience. Pour ça, c'est le défi, ça va être d'aller le plus haut possible. Mais dans les meilleurs. Mais dans la maison des ouvriers. Ah, pour ça. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure. N'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de Lys. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est le bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Clash of Clans et toute autre vidéo. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.